c'est bon. J'espère qu'il l'a retrouvé. Il est là. Là. Ah, c'est bon, tu l'as retrouvé. Oui, oui, mais il manque un bout. Oh non, c'est pas possible. Mais si. Ah, mais à tous les coups, c'est le lutin qui l'a mangé. Oui, tu veux que ce soit qui? C'est pas moi. Ils recommencent à faire leurs bêtises, à faire leurs pranks là. Mais t'as laissé ouvert la porte aussi. Ouais, bah j'y peux rien, moi, désolé. Bon, salut à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Nous, bah, vous voyez, c'est un peu mouvementé en ce moment à la maison. Il se passe des trucs de fou. Ouais. Donc là, ce soir, ça devait être une soirée normale. On devait même pas faire de vidéo. Il y a Lily Rose qui est en haut avec Peppa Pink. On a invité Jérémy. On a même invité notre cousin relou, voilà, pour une fois qu'on l'invite, ah, voilà, et qu'il rentre pas chez nous sans nous prévenir. Et on voulait manger la galette, vous la voyez, on voulait manger la galette, sauf que on la trouvait plus, je l'avais mise au réfrigérateur, et comme par hasard, je la trouvais plus. Et regardez, qu'il a mangé, il manque une part. Bon, il manquera une part, hein. C'est toi qui en mangeras pas, je pense. Oh. De toute façon, je mange pas de fruits, donc. Attends, il est où? Le lutin? Il est où? Bah, tu viens de le bouler. Il a réussi à partir. Bah, il est où? Bah, la pièce est fermée. Bah oui, non, mais la pièce est fermée. Eh oh, t'es où? Ah, il est là. Il est là. Je vais gâcher. Je vais gâcher votre vie toute l'année. Esteban, faut qu'on sorte. Je ne vais pas partir de chez vous. Esteban, faut qu'on parle vite. Ah, c'est pas possible. On fait quoi? Je la prends avec moi. Ouais, vas-y, prends la galette, on va finir par la manger. Mais Lily Rose, elle va dire quoi qu'il manque un bout? Bah, je sais pas, tant pis, il manque un bout, au moins il manque pas tout. Eh ben, tu sais quoi, je vais dire que c'est toi qui as mangé. Au moins, il nous reste un peu de galette. Hein. Heureusement qu'il a mangé qu'une part, en même temps, ils sont tout petits, heureusement. Est-ce qu'il faut en parler à Lily Rose du lutin? Non, on dit pas à Lily Rose que c'est le lutin qui a mangé la galette. Mais elle sait que je mange pas le fruit, donc c'est pas moi. Non, mais sinon, elle va devenir folle, elle va devenir folle. Bon, les amis, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le lutin magique, on a fait déjà plusieurs vidéos dessus. En gros, c'est des lutins de Noël, donc normalement, ils apparaissent que au mois de décembre à Noël. Sauf que là, on comprend pas pourquoi. Même après Noël, ils étaient encore chez nous et ils arrêtaient pas de faire des bêtises. Hier soir, Peppa Pig, il voulait partir chez un ami. Ses pneus de voiture ont été crevés carrément. Et il a vu un lutin à côté des pneus. Ça veut dire que les lutins magiques ont crevé les pneus de Peppa Pig. Enfin bref, c'est que des bêtises comme ça. Et je sais pas pourquoi. Ouais, non, mais c'est pas grave, on lui dit qu'il manque une part parce qu'elle est tombée par terre et qu'on a dû l'acheter à la poubelle. Mais elle va pas y croire. Mais si, on lui dit qu'on a dû jeter à la poubelle une part qui est tombée par terre. On a retrouvé, tu lui dis qu'on a retrouvé la galette au sous-sol, voilà, dans la voiture. Ah, tu as eu des bonnes notes? Ouais. Ouais. En c'est bon, on a retrouvé la galette. Ah ouais, bah, ça. Trop bien. On a retrouvé la galette. Oh, franchement, j'avais trop faim en plus. Hein, ouais, bah tu sais où elle était? Non. On l'avait oubliée dans la voiture finalement. Bon, par contre, en la prenant, on a fait tomber une part. Ouais, donc okay. Bon, c'est pas grave, t'inquiète. Prends laquelle? Bon, allez, je vais fermer. Bah, il est pas là le cousin relou? Bah, je pense pas. Il est pas arrivé? Je sais pas, tu prends... C'est bizarre. Tu peux prendre celle-là? Ouais, okay. Vas-y. Prends celle-là. Ah, ça a l'air bon en plus, hein. Bon, qui veut... Ouais, qui veut quoi? Qui veut une part? Non, moi, j'ai dit, je mange pas de fruits, donc... Bon, bah, j'espère que je vais avoir la fève. Et celui qui a la fève gagne un iPhone, cette année. Okay. Allez, pourquoi je mange pas de fruits? C'est quoi, ça? Hein? Bonne galette, les amis! Elle vous réserve une surprise! À tout à l'heure! Oh non! Il est pas censé venir qu'en décembre, lui! Oh, mais c'est quoi, ça? Bon, Lily Rose, t'inquiète pas, on va le faire partir. Bah, il est où? Mais... Il est où? Bah, il était là il y a 2 secondes. Mais il était là. Où est-ce qu'il est? Il était là. Bon, c'est pas moi. Bon, il a dit que la galette nous réservait une surprise. Hein. J'espère qu'il n'y a pas. J'espère qu'il n'y a pas un problème. Qu'elle est bonne. On peut prendre au hasard, là. Bah oui, prends au hasard. Allez, non. Vas-y, prends celle-là, voilà. On peut manger. On choisit pas. Bon, vas-y. Et j'espère qu'il a pas piégé la galette. Non, arrête tes bêtises. Non, mais ils sont capables. T'en as déjà mangé, toi? Mais je mange pas de fruits, moi, donc c'est. Ils sont capables de tous les lutins. Ah, moi, je regarde à l'intérieur déjà. Non, tu triches. Non, et on triche pas. Ouais. Bon, le problème. Bah, j'ai expliqué aux abonnés. Quoi? J'ai la fève. T'as la fève? T'as la fève? Montre la fève. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle? La fève. Elle m'a même pas montré la fève. Non. Et toi, ça va? Tu l'as ou pas? Ah non, il peut pas avoir de fève dans un. Montre. Mais si. Mais si, elle est là. Mais là, il peut pas avoir de fève, réfléchis. Attends, mais il y avait plusieurs fèves dans la galette, du coup. Ouais. Bah, tu l'as aussi. Ah, mais ça va? Ça va, Peppa Pig? Ça va? Ça me gratte aux oreilles. Non, bah non. Qu'est-ce qu'il y a?
Ça me gratte aux oreilles. Mais ça me gratte. Comment ça, ça te gratte aux oreilles? Ça me gratte, Esteban. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi vous partez comme ça? Laisse-moi tranquille, laisse-moi va voir les viroses. Non, je m'en doutais. Eh, Mango, j'ai touché. Ah, c'est sûr, le lutin ne s'est pas contenté de manger une part de galette. Il a aussi piégé la galette, c'était sûr. Ah, il va nous gâcher toutes les fêtes. Hein. Il nous a gâché Noël, il nous a gâché Nouvel An. On vous a pas raconté le lutin à Nouvel An ce qui s'est passé. Mais et là, il est en train de nous gâcher la galette des rois. Non mais, Lily Rose, ça va? Lily Rose. Ah, bon, j'espère qu'il va revenir pour nous. Voilà, voilà. Alors vous avez aimé la galette? Il est là, lui. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Quoi? Ça va, Peppa Pig? Ah, je t'ai attrapé, hein, tu es moins malin. Qu'est-ce qu'il y a, tes oreilles? Je vais aimer ma galette. Ça m'a gratté un peu aux oreilles. Qu'est-ce qui se passe, mes oreilles? Elles sont plus grosses. Tes oreilles, des oreilles énormes. Comment ça se fait, t'as pas un miroir? Regarde. Hein? Comment ça? C'est ta faute! C'est pour ça que j'ai mis des fèves! J'ai mis des fèves maudites! Mais... Oh non, j'en ai assez! Regarde, Lily Rose! Qu'est-ce qu'elle fait? Tu vas enlever ton sort, là, ou je sais pas quoi? Bon, moi je vais enlever cette galette maudite! C'est pas possible! Moi j'enlève! Bon, les amis, les lutins ont piégé, notre galette! Et heureusement que j'ai pas mangé en même temps que vous! Oh là là. Bon les amis, faites très attention si vous mangez une galette cette année, parce que si vous avez eu des lutins farceurs chez vous, peut-être que... Vous ne pouvez pas passer. Comment ça on peut pas passer? Ah, ça va Lily Rose? Oui, ça va et toi? Alors, tu as aimé mes pranks? Oui, à merveille. Tu as aimé mes pranks? Oui. Bon Lily Rose, il va falloir te soigner. Il va falloir te soigner. Bon, les amis, je vous laisse là pour l'instant. Je vous laisse là. Bon, je vais aller voir Jérémy, on va essayer. Je vais faire pour mes oreilles. Oui, t'inquiète pas, on va se charger tes oreilles. Viens en bas. Ah non, mais la galette, faut pas. Ah non, la galette, on n'y touche plus parce que ça tombe, il y a plusieurs fèves encore. Parce que là, pour l'instant. T'en as une part. Ils ont mangé deux fèves. Ça va pas mieux? Bon, écoute. Non, ça va pas mieux, mais je pense que ça va continuer comme ça. Écoute, je pense qu'il faut trouver une solution. Il faut qu'on appelle quelqu'un pour leur enlever les sorts. Mais qui? Je sais pas. Bon les amis, là je sais pas quoi faire. Peut-être qu'on va appeler la sorcière pour régler le problème de Peppa Pink et des oreilles. Et pour la folie de Lily Rose, il faut la régler aussi. Arrêtez d'appeler la sorcière. Bon ok, nous on va rester là, on touche pas la galette. On va attendre une petite heure pour voir si le problème se règle. Si ça se règle pas les amis, on appellera la sorcière. Bon, en attendant, j'espère que cette vidéo vous a fait rire et qu'elle vous a fait rigoler. Mmh. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, à vous abonner. Si vous vous abonnez, activez la cloche. Et surtout, faut trouver une solution pour mes oreilles.